Moi, je travaille avec des images qui viennent d'Internet, que je récupère sur mon ordinateur. Donc, j'ai une grosse bibliothèque. Et ensuite, toutes ces images-là, en fait, elles me permettent de faire des collages en peinture, donc de recréer des images à partir de choses qui ne sont pas à moi. Et c'est une manière de pouvoir projeter des choses personnelles et de pouvoir modifier. Transformer ces formes-là pour recomposer mes propres images. Ce qui m'a toujours intéressé en peinture, c'était de travailler comme un metteur en scène, en construisant une image avec un décor, des objets qui interviennent, ou des paysages vus de haut, des parcs, des jardins. Et à l'intérieur de ça, il y a des formes plutôt abstraites, même si on reconnaît des éléments de parcs d'attractions, ça vient d'images de jeux vidéo que j'ai récupérées sur Internet où il y a cette perspective-là. Et ça permettait aussi de faire un peu des liens avec, par exemple, les estampes japonaises où il y a cette perspective aussi vue de haut. C'est toujours un peu ça qui m'intéresse aussi dans la peinture, c'est de pouvoir faire des liens entre des choses de l'histoire de l'art et des sources très contemporaines. Là, le fait d'avoir cette grande fenêtre avec les arbres et la lumière qui change au fur et à mesure de la journée, bah oui, ça influe sur les couleurs du coup. Il y a beaucoup de tonalités de vert, de bleu, d'orange, c'est un peu les couleurs que je vois par la fenêtre un peu de l'atelier.